comme tous les sélectionneurs et comme tous les joueurs aujourd'hui l'ont dit, je pense que ça va être une des CAN les plus difficiles de l'histoire. On va avoir des beaux stades. On a de plus en plus de joueurs africains qui jouent dans les meilleurs clubs au monde. Toutes les équipes nationales ont des stars. Le football africain a progressé, on l'a vu à la dernière Coupe du Monde. Et je pense que le fait, justement, aujourd'hui, d'avoir prouvé au monde entier que l'Afrique pouvait être sur le toit du monde, avec le Maroc, avec le Sénégal, le Ghana aussi qui a fait une bonne Coupe du Monde, la Tunisie qui a battu la France. On a montré qu'aujourd'hui, voilà, on pouvait rivaliser avec les plus grandes nations. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la CAN, elle est respectée. Elle va arriver à un moment où, je pense, toutes les équipes peuvent battre n'importe qui. On l'a vu encore dans les derniers résultats. Donc voilà, le groupe, on sait qu'il n'y a pas un groupe facile. Et le nôtre n'est pas facile non plus. Voilà, on sait qu'il va falloir être prêt. On va retrouver.